Skyrock, c'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, c'est Planète Rap Roméo Elvis. Passez une bonne soirée et bienvenue, le Planète Rap, coup d'envoi d'une nouvelle semaine dans Planète Rap avec Monsieur Roméo Elvis qui est là, comment va? Ça va très bien, merci de, merci de me recevoir. Eh bah écoute, sois le bienvenu en tout cas, avec ce projet qui va ressortir vendredi. Ouais, totalement réédité. Projet, j'ai envie de dire, enfin c'est plus qu'une réédition, parce que généralement réédition t'as un 2-3 titres, un remix et hop, le tour est joué, mais là quand tu fais pas les choses à moitié. On a charbonné à fond. Tu fais pas les choses à moitié. Non, mais le motel est productif et moi je suis gourmand. C'est vrai, parce que c'est un album en commun en fait, puisqu'on dit tout le temps Roméo Elvis, mais c'est Roméo Elvis. X le motel. X le motel. Tout à fait. Le motel qui produit les sons, l'intégralité. Tout. Presque tout, non? Ouais, tout à fait. J'ai regardé, oui, il me semble qu'il y a. Il y a un seul son dans la réédition qui a été. Qui l'a remixé, qui vient d'une autre prod, mais sinon c'est exclusivement le motel. Donc c'est un album Roméo Elvis X. X, le motel. Le motel, et ça s'appelle Morale de Luxe, puisqu'il y a eu Morale 2. 2. Exact. Et là maintenant c'est le Morale de Luxe. Exact. Vendredi, donc en précommande, on peut y aller dès maintenant, on peut cliquer. On peut méga cliquer à fond, hein. On peut y aller déjà en précommande digitale. Sinon, c'est, alors ceux qui aiment l'objet, vous allez pas être déçus. Très bel objet. Hein. Des jolies photos, j'ai vu. Ouais, la Strosphère qui a tout illustré. Ça me donne envie de faire la fête avec toi, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je vois des têtes, là, qui m'ont l'air bien sympathiques. Mais ouais, c'est dessus. Ça, hein. C'est festif tout ça. C'est assez festif tout c'est ça, la famille. C'est assez festif. Et d'ailleurs, en parlant de famille, ce soir, t'es venu accompagné de la famille. Tout à fait. La famille de son et puis la famille de musique. Exactement, les proches de toutes parts. Tu veux qu'on commence à présenter maintenant ou? Allons-y. On commence. Ouais, galant quand même. Bien sûr, on commence par les filles. Hein. Et puis surtout que c'est ta frangine, donc. La sista. La sista, j'ai pas envie de foutre la merde dans la famille, surtout pas en cette première soirée. C'est Angèle qui est là, ça va bien Angèle? Ça va bien, merci. En pleine forme, Angèle qui était venue aussi, bah. Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était Planète Rap de Solar, où tu étais. Bien vu. Où tu étais présent, et Angèle aussi. J'étais présente aussi. Et où tu étais présente. Tout à fait. Après, toi, t'es partie en tournée avec Damso, tu faisais les premières parties. Ouais. Roméo, il est revenu avec l'homme pâle, il me semble, dans un Planète Rap il y a pas très longtemps. Ouais. C'était au mois de décembre. Et puis là, pendant une semaine, je sais pas si tu viendras tous les soirs, si tu vas accompagner ton frangin tous les soirs. Déjà une fois, on a de la chance de l'avoir. Déjà une fois, ouais. Overbooké, la petite. Mais c'est vrai que ça marche fort. En plus, il y a un nouveau titre là qui vient d'arriver, qui fait déjà un carton. Ouais, Je veux tes yeux. Voilà, Je veux tes yeux. Vous allez pouvoir aller cliquer, évidemment. Un concert au Trianon de Paris, c'est le 22 mai qui approche. Tout à fait. Printemps de Bourges. Aussi. Les vieilles charrues. Des bonnes nouvelles. Elle va bosser plus que toi dans ce coup. Ah, mais c'est sûr, hein. C'est motivant. C'est motivant, quoi. Non, mais c'est cool, franchement. On me dit, ouais, on va peut-être avoir les vieilles charrues là cette année et tout. Et puis je vois que ma sœur y est la première année aussi. Ça, c'est fort, quoi. En plus, on y est le même jour, hein, tu sais ça. Je pense, ouais. Pas de problème d'ego dans la famille, parce que c'est vrai que là, les deux vous cartonnez en ce moment. Franchement, pas. Les deux en même temps, d'habitude, il y a toujours un petit peu qu'en avance. Ouais, ouais. Après, on sait bien quand elle va bientôt exploser le truc et que je serai un peu là. Waouh, putain. Mais il n'y a pas de problème d'ego parce qu'on en parle et qu'on est frères et sœurs. On se kiffe, et puis chacun sa place. Enfin, on n'est pas dans le. C'est vrai. Mine de rien, on fait de la musique, mais on n'est pas dans le même game, quoi. Voilà. Elle fait les premières parties de Damso, hein. Moi je fais pas de rap. Hein. Non, ça. J'avoue que là, si peu. Mais ça c'était inattendu, mais sinon, on est pas vraiment dans le même game. Non, en même temps, elle filait un coup de main parce que j'ai vu aussi qu'elle est présente pas mal de fois sur les morceaux, en chœur. Ouais. Voilà. Dans Morale 2, elle a fait beaucoup de chœur, elle a apporté beaucoup, ouais, c'est vrai. Ouais, on s'aide, on travaille ensemble. Oui, parce que c'était une aide de l'an donnant. Enfin, moi, ça me faisait plaisir. Et puis, c'était surtout mon grand frère qui m'a invité sur son album. Donc, pour moi, c'était plus un honneur. Et on dit jamais non au grand frère, voilà. ça c'est sûr. Bon, bah, bienvenue, Angèle. Tout va bien? Merci, oui, tout va bien. Et puis, alors, continuons les présentations aussi. On reparlera avec Angèle, évidemment, hein, tout à l'heure avant totalement. La présentation. Un monsieur qui est bipolaire. C'est ça, on a une partie du monsieur qu'on a invité aujourd'hui. C'est la famille aussi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est le rappeur, c'est le producteur. Aujourd'hui, on a le producteur de La Fuentes avec nous. Bonsoir. Voilà, donc ce n'est pas Crazy, c'est La Fuentes. Voilà, ce soir, c'est La Fuentes avec nous. J'ai invité La Fuentes. Ça va bien? Ça va et toi? En pleine forme? Toujours. Content aussi de ce qui se passe pour les deux et pour Roméo Elvis? Pour lui, il sait. Moi, je le poussais déjà depuis. Le premier. Ouais, 2009-2010. Moi, je kiffais déjà ce qu'il faisait. Bon, tu t'entends pour lui. Tu nous raconteras donc les dossiers tout à l'heure, évidemment, tout ce qu'il faut savoir. Fond, on stresse sur scène au début. Tout ce que l'on ne sait pas encore sur Roméo Elvis. C'est assez drôle parce que Roméo, c'est la première fois que je vois, il a un bar devant lui. Mais un bar sain. Ouais, d'habitude, les bouteilles, je pourrais être tenté de regarder, mais là, c'est très sain. Ouais, c'est un élixir de grenadine. T'as une petite infusion, t'as de l'eau. J'ai piqué l'eau du Uber aussi et j'ai pris du Tao, quoi. Voilà, faut être sain. Des petites gouttelettes pour. Des petites gouttelettes. Des petites gouttelettes mystiques. Bref, tout va bien. On est là avec Roméo Elvis tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Moi, je propose tout de suite, avant qu'on aille un petit peu plus loin, c'est de se plonger dans Morale de Luxe. Yeah. Donc, c'est alors. Rappelons quand même qu'à l'origine, donc, il y a Morale 2. Ouais. Qui existe, qui est sorti quoi, il y a un an?
Il y a ouais quasiment un an, hein. En mars. C'était en mars dernier. Et une réédition qui arrive ici là dans la vendredi ça arrive. Donc ça, quand vous achèterez vendredi, vous aurez les deux. Exact, ouais, il y a les deux CD en plus. Les deux CD ou alors le téléchargement légal, vous aurez tous les morceaux. Légal. Et on va se plonger directement dedans. Voilà ce qui vous attend vendredi dans les bacs. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap. Donc voilà ce qui vous attend vendredi dans les bacs. Ça sonne bien comme ça. Ça sonne bien. Hein. Ah ouais, je kiffe. Franchement, on se régale. Roméo Elvis, le motel, ça s'appelle Moral de Luxe. En précommande dès maintenant, on va écouter un morceau. Mais juste avant, on va revenir évidemment sur ce parcours. Et là, je vais avoir besoin de vous deux d'ailleurs, de la frangine, de Los Fuentes qui est là avec nous. Ou peut-être Crazy, on verra plus, tout à l'heure. Pour le coup, de la Fuentes, c'est la source que ça veut dire en espagnol. Donc c'est vraiment le cas, quoi. Voilà. Yes. Donc on va revenir en effet à la source. Alors là on va passer rapidement parce qu'on l'avait déjà dit dans le Planet Rap de Solar, mais je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, famille de musiciens et maman comédienne, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc forcément très vite, très naturellement, ça très naturellement tout ça s'est installé, quoi. Disons qu'il y avait moins de complications à annoncer à mes parents que j'allais faire du rap ou de la musique ou quoi. Ils étaient chauds, quoi. Ce qui est quand même bizarre, tous les deux vous êtes partis sur la musique, pas forcément sur le côté acting, justement aller faire un peu de
un peu de théâtre, un peu de... Bah, non, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, c'est pour ça. L'instant. En tout cas, c'est des trucs qui nous plaisent aussi, je pense, toi aussi. Enfin, Angèle aussi. Ouais, ouais. Et puis, mais je crois que c'était plus... Instinctif. Ouais, exactement. Plus instinctif d'avoir la musique. C'est le premier truc qui nous est venu tous les deux. C'est quoi le premier souvenir musical que vous avez... Enfin, surtout toi, Roméo, le premier souvenir, c'est quoi? C'est justement de voir ton père avec plein de musiciens à la maison. C'est, Je crois que c'est ça, les premiers souvenirs musicaux. C'est les trucs qui me marquent le plus, c'est le voyage avec mon père quand j'étais petit, quand il allait faire des tournées, des trucs comme ça. Je le suivais dans son c'était pas des tourbus, mais c'était des voitures espace et des trucs comme ça, et c'était de bons souvenirs. L'espace bus avec lequel tu partais. Toi, t'étais un peu plus jeune à ce moment-là, donc ouais. Moi, je suis pas parti. Non, toi, t'es pas parti. Toi, t'es resté à la maison. Tu restais tranquillement à la maison, t'attendais le retour. Exactement. Mais tu les voyais chanter tous aussi ensemble. Je les voyais partir et revenir, plein de bons souvenirs. Plein de bons souvenirs. En parallèle, les cours, tout ça, ça donnait quoi? On parlait les cours, voilà quoi. Très bon élève. J'étais à l'école. Toujours à l'école, toujours présent. J'étais. j'étais à l'école. Ça, c'est la version officielle, mais la version officieuse. Franchement, je m'en suis bien sorti, vraiment. J'ai fait des études dans une école un peu coincée, je me suis fait virer et après, j'ai trouvé ma voie dans l'artistique. Mmh. J'ai fait de la peinture, de l'illustration, donc de la photo et j'ai fini par avoir mes diplômes et tout ça en temps et en heure. Mais c'est vrai que j'ai eu un parcours un petit peu tumultueux. J'ai failli faire renvoyer quelques fois des écoles, mais en fin de compte, j'ai toujours été apprécié. Des profs. Le premier souvenir rapologique, c'est bah on en est parlé. Alors est-ce que c'est vraiment Solar? Parce que Solar était un pote de ton père. Ouais, franchement, je crois que c'est du coup le premier c'est vraiment... souvenir. Ouais, parce qu'il venait à la maison et que il avait un charisme incroyable déjà. Enfin, quand on était petit, il envoyait du jeu, quoi. Donc, je crois que c'est le premier souvenir que j'ai. Ouais, c'est ça vraiment. Et premier souvenir, mais en tant qu'auditeur, j'ai envie de dire le premier album qui t'a mis une claque ou un album que t'as le beaucoup. Premier album qui m'a mis une claque, c'est Eminem de Eminem Show. Ouais. Et je me rappelle que mon père nous écoutait ça, il kiffe Eminem. Et du coup, il nous faisait apprendre les paroles. Enfin, moi, il me faisait apprendre les paroles alors que je comprenais rien ce que je disais et tout. Mais c'était cool, quoi. Je connaissais le refrain alors que personne savait ce que ça voulait dire. Ah ouais, tu connaissais vraiment. Ah ouais, parce qu'il m'avait écrit le refrain sur mon petit carnet et tout, avec les paroles et tout. Et je lisais ça par cœur sans savoir ce que ça voulait dire. Et après, j'avais tout le refrain. T'as sympa les punitions à la maison, quoi. Ouais, allez, c'était un peu. Allez, tu vas étudier maintenant. Allez, hop, tu vas me faire le refrain d'Eminem. Ouais, tu vas me faire le refrain d'Eminem. Donc, ça, c'est vraiment la grosse base, c'est Eminem Show. Hein. C'est cet album. C'est la plus grosse base rap que j'ai en tête. Et donc, la première rencontre pour toi avec le rap, à partir du moment où tu vas, alors je sais pas, commencer à gratter ou rencontrer des gens avec parce que tu montes un groupe d'abord, il y a aussi un groupe à l'origine aussi auquel tu participes. Ouais, il y a un groupe qui se monte à l'internat où je suis, donc j'ai 19 ans, il y a des mecs qui ça kick, quoi, tu vois, ils utilisent le freestyle comme occupation et tout ça, et je participe à ça avec eux au début, mais en faisant des textes à des autres mecs, des trucs en anglais et tout pour rigoler, et puis je me mets à écrire, ça me plaît, je continue, et puis j'arrive à Bruxelles et je rencontre l'ordre du commun, en gros c'est ça. Là, l'ordre du commun, ouais, ça devient entre guillemets un peu plus professionnel, mais en tout cas voilà, c'est ton premier vrai groupe, quoi. Ouais, c'est ça, je les rencontre, ils me disent c'est bien ce que tu fais, viens avec nous faire des concerts. Donc j'apprends à jouer sur scène, j'apprends à enregistrer avec eux, et voilà, quoi, je lance un premier projet en 2013 avec l'ordre du commun qui participe, et tout se fait avec eux pendant 3 ans. Et tu te souviens d'ailleurs de la première fois où tu vas rentrer en studio ou pas? Pour toi, hein, je parle pas évidemment quand t'as accompagné studio, ton père. Ouais, je me souviens que c'était horrible, vraiment, c'était nul, quoi. En sortant du studio, c'était déjà avec le Yécoute Laboratoire, et donc avec qui j'enregistre maintenant, et c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était chouette, et en sortant de là, c'était la première fois que je m'entendais enregistrer, c'était très difficile. T'avais gardé le son, le CD Pierre, l'ingénieur du son, il a ce morceau, on l'a réécouté là il y a pas longtemps. Merde. c'est vraiment nul. Et bien nous aussi, nous l'avons. Ouais, ah, super. Et nous le passons. Putain, et nous le passons d'ailleurs dans un instant. Ouais, c'était. Ça, c'est le premier souvenir. C'était pas bien. Pas studio, pas excellent. J'avais écouté ton Angèle, ce morceau, le tout premier morceau ton frangin ou pas? Mais non, je vois pas. Non, bien sûr que non. Ah non, tenu secret. On est deux à l'avoir entendu, Pierre et moi. Et c'est tout, ouais, pour l'instant. C'est tout, ouais. Méfie-toi d'ici la fin de semaine, méfie-toi. On a une semaine à passer ensemble. Ouais, je me doute. On va continuer ce parcours dans un instant, et j'aurai besoin de toi aussi, d'ici quelques minutes. Juste avant, on va mettre un extrait de ce qui vous attend vendredi dans les bacs. C'est un morceau qui s'appelle Dessert. Ça fait partie des morceaux, les nouveaux morceaux. De la réédition. De la réédition. C'est une des pépites de la réédition. Et bon, l'écoute Morale de Luxe, ça sort vendredi. Roméo Elvis, le mot X, le motel pour bien retrouver, pour être bien précis. Pour être officiel. Et ce sera vendredi dans les bacs. Hey, hey.
Je suis avec cette femme pour une longue story. Des fois on se fait mal et puis on se corrige. Je suis avec cette team pour de longues années. On fonce ma main, on fait le taf grave et on pionce après. J'ai les vannes là comme le don ça paye. Je veux l'or, l'argent et le bronze après. Y'a plus d'énergie que si on s'arrête. Y'a trop de rappeurs doués pour faire le boss. Mais ça me fait pas peur, je suis une bête de scène. C'est mon oreille qui siffle comme une fête de gosse. Mais ça me fait peur, je suis en quête de scène. Mec s'te plaît, c'est de l'effort quand tu viens au concert. Je suis handicapé. C'est ma technique pour chauffer la salle. Chez les gens d'ici ou les gens du Cap Vert. Tout est clair dans ma tête. Quand le modèle fait le taf, mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verre. Chaussures Puma sur les pieds, j'applique quand même des dress codes. Je peux pas laisser passer cette prod. J'habite seul, c'est plus facile. Mais j'applique quand même des dress codes. Ouais mais ouais, le thème est plus ou moins trouvé. 2h30 de pause en tout, mais ça m'a pris toute la journée. Morale de luxe 2018. Yeah, yeah. J'suis entouré que des meilleurs comme le Touré. Yeah, yeah. J'ai juste envie de faire des scènes, passer tout de suite au dessert. J'arrive même plus à fantasmer sur une jolie playa. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verre. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verre. Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. N'empêche que tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. I'm about to get it done. Skyrock, et c'est le Planète Rap entre 20h et 21h. Je rappelle que les images sont dispo sur le skyrock.fm, sur l'application Skyrock également. Et puis on nous écoute un peu partout, en France comme en Belgique. D'ailleurs, on va saluer nos amis belges. Salut les Belges. C'est fou quand je dis belge, il y a l'accent qui ressort. Ouais, il y a le belge qui vient. D'où il sort à chaque fois, ce truc. Un réflexe condescendant. C'est comme les 8. Non, comment vous dites-vous les 8 ? On dit 8. 8. 8. 8. Et on dit puis. Puissance. Puissance. De puis. Ou 70, 90. Ouais, mais ça c'est la base. Ah bah, pardon, ça, c'est la base quoi, forcément. Oui. Non, on en était dans ce petit parcours de Roméo Elvis, qui est là avec nous, qui va être là tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Exactement. Avec ce soir la frangine qui est là, Angèle qui est là, avec Crisi, enfin je dis Crisi, pardon. Avec le frangin de la Fuentes. La Fuentes qui est là, de la Fuentes, pardon, qui est là avec nous. Et Crisi aussi, enfin c'est un peu. Bien sûr, bien c'est sûr. C'est un peu compliqué. Il y a un jour il sera peut-être Crisi, un jour il sera de la Fuentes. Là c'est le côté producteur qu'on reçoit donc. C'est ça le truc, c'est ça qu'on veut mettre en. Le côté de la Fuentes, exactement. Bah justement, venons un petit peu sur ces prods. On en était au moment où t'es en studio, t'enregistres, donc la première fois tu sors du studio. C'est pas ça. C'est pas encore trop ça, non. Alors ça avance petit à petit. Et quel va être, je sais pas, le déclic, le morceau. Tout à l'heure, tu me parlais d'un morceau où tu le poussais à une certaine période. Non, c'est la première fois où. C'est le premier fait. Live. Ouais, le premier live qu'il avait fait. Donc je le vois sur scène, il bouge pas. C'était où? C'était à l'Université Libre de Bruxelles. Exactement. C'était pendant un open mic. Donc les rappeurs défilaient. Ça défilait. Donc ça, ouais. Donc forcément, pareil, on l'a pas dit, on l'évoquera cette semaine, mais scène bruxelloise assez active en tout cas. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'était déjà un petit peu la naissance, l'effervescence un petit peu. Je monte sur scène, il est je sais pas quelle heure et j'avais pas bu et je rate la prod et j'étais coincé comme ça et j'arrivais genre vraiment un pied de micro quoi. C'était ma toute première apparition scénique. J'ai la première fois que j'avais un micro et que je regardais des gens en face et que je pouvais envoyer un jeu et je me rate. Impossible. Et il y a un gars qui dit vas-y. Et c'est crazy quoi, et je le regarde et je dis oh putain. Et vous connaissiez? Mais moi je savais ce qu'il faisait parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait une histoire d'un concours pour participer à un freestyle avec Gizmo et il avait fait une vidéo où il était free. Moi aussi j'avais fait ce concours, soit. Je l'avais vu dans ce truc. Et j'étais là putain,
C'était la première fois que je recevais de la force depuis la scène, mais j'ai quand même chié mon passage et je suis repassé après. Et j'étais bourré et j'étais chaud. Là. Alors là, pour comme quoi vive l'alcool. Et là, j'ai tué le truc. Sans modération quand on monte sur scène. Je précise juste. Bien sûr. Juste quand on monte sur scène après. Ouais, ouais, bien sûr. À des fins essentielles, quoi. Toi, tu te souviens vraiment de ce moment-là, ouais, quand sûr. Après, ouais. Dès qu'il est descendu, j'ai dit, gars, tu dois continuer, c'est trop chaud ce que tu fais. À fond. Ouais, je me souviens très bien. C'est la première fois. C'est un des premiers. Je l'ai rencontré avant l'ordre du. C'était avant de rencontrer l'ordre du commun, en fait. Hein. C'était, j'étais encore à l'internat. J'ai fait le mur à l'internat pour venir faire ce truc d'open mic. Je suis reparti le lendemain matin. Donc t'étais un peu miné, un peu forcément en sortant. En sortant la première fois, ouais, je me suis dit j'ai chié mon truc, c'est fini. Et si j'étais pas remonté, j'aurais peut-être jamais refait du rap parce que je me suis vraiment. Et il y en a, lui aussi, il était là derrière, le gars de la Strosphère, il était là pour dire aussi. Il y a des gens qui peuvent témoigner de cette histoire. Il y a des images dispo? Je pense pas, non, malheureusement. Non, tout a été effacé depuis. Oui. De toute façon, c'était pas à l'époque des smartphones et des. Ouais, c'est vrai, ça date déjà ce truc. C'est 2010, 2011, je pense. Un truc et toi, qu'est-ce que t'as senti alors en fait? C'était en fait. Quand tu le vois surtout, sur scène et Non, sa voix surtout. Et la manière dont il écrivait, tout ça, je me disais, c'est totalement différent des autres personnes qui étaient passées en fait. Puis je lui ai dit, c'est trop chaud ce que tu fais. T'avais créé, ouais, en plus t'avais taffé dur quoi, t'avais ton texte. Ah ouais, bien sûr, un truc comme ça, ça faisait un mois que j'avais préparé la soirée. Je me disais, s'il y a ce genre de prod, je fais ça, s'il y a ça, il y a ça. Ah ouais, tu savais pas la prod en plus? Non, non, parce que c'est de l'open mic. Ah oui, c'est vraiment open mic qui balance instru. Tu mettais ton nom, on t'appelait, vas-y, c'est à toi. Après, tu montes sur scène et soit t'es sur le tempo qui est en train d'arriver, soit tu es à la fin d'un morceau, tu commences et il y a une autre prod. Enfin, ça peut. C'était vraiment freestyle à fond quoi. Ah oui, donc t'avais préparé toutes sortes d'instru quoi. Au cas où et j'avais rien réussi et puis j'avais réussi, c'était la soirée de l'année quoi. Ouais, à quel moment alors ça va décoller? Quel moment où tu t'aperçois qu'il y a un engouement, il y a un truc qui se passe? Franchement, il y a vraiment un truc pour faire, pour parler les grosses lignes, ce qui c'est le gros truc, c'est Bruxelles arrive. Après ça, il s'est passé 2-3 ans de scène avec l'ordre du commun où je me suis fait connaître, mais quand je disais. Où t'apprends forcément sur scène, t'apprends. Ah ouais, j'ai fait mes armes à fond pendant 3 ans avec des petits passages sur les sets de l'ordre du commun, de plus en plus gros parce que je prenais ma place. Et puis j'ai fait mes concerts solo. Tout ça, ça s'est passé de manière normale. Et puis après, il y a eu Bruxelles arrive en fait. Et là, ça a explosé. Il y avait Damso, il y avait Hamza, et puis je suis arrivé avec ce truc-là en un coup à faire des scores que j'avais jamais fait de ma vie. Et encore maintenant, c'est la vidéo la plus vue, où les gens que ça reste ma marque de fabrique encore aujourd'hui. Et comment t'expliques, juste parce que le morceau est bon? Je l'explique. Il y a plein de facteurs. Hein. Le fait même, c'est qu'on parle de Bruxelles dedans, donc ça parlait à. C'était le moment où Bruxelles était en train d'exploser. Il y avait un truc qui se passait sur Bruxelles. Ça parlait aux gens de dire ouais, on est là, Bruxelles arrive. Et il y avait Damso avec Bruxelles vie qui avait déjà fait ça il y a quelques mois avant. Il y avait une sorte vraiment d'engouement. Et voilà, la prod, elle était turn up à fond, elle était en giant. On avait fait une formule. Moi, j'avais vraiment réfléchi ce truc en mode je vais amuser les gens là-dessus quoi. Après, je voulais pas en faire un morceau à la base. Hein. C'était un freestyle, c'était un truc. Puis Cabal a écouté, il m'a dit trop chaud, il faut que je pose dessus. Il s'est mis dessus, puis on l'a sorti. Ouais, parce qu'il y a Caballero, Jean Jass aussi qui font partie voilà, de cette équipe qui monte aussi en Belgique. On le disait, voilà, où il y a une scène qui bouge, où il y a des choses vraiment qui bougent. Ouais, c'est ça. Il y a Hamza, Damso, mais il y en a plein d'autres aussi. Ah, ouais, bien sûr, il y a Isha, il y a Crisé, comme on dit. Il y a, Crisé, ouais. Tout ça, c'est connecté quoi. Et puis il y a la Frangine aussi, Angèle. Tu trouves qu'elle est, quand tu la vois justement sur scène par rapport à toi, est-ce que t'as l'impression qu'elle se démerde mieux justement sur, par rapport à tes premières scènes, par rapport à ce que t'as vécu ou... Mais en fait, elle a aussi appris de son côté petit à petit avec mon père. En fait, elle a joué sur scène. Du coup, elle a aussi une maîtrise, une habitude du public. Et en plus, je pense pour le coup, Angèle, elle a joué avec mon père, donc avec un public qui peut être un peu moins réceptif à ce qu'elle fait au début, un peu plus vieux entre guillemets sans vouloir juger ou quoi. Et du coup, c'est une autre génération. C'est une autre génération, voilà. Et c'est aussi un exercice que de jouer devant des gens qui sont difficiles à chauffer, tu vois. Bah, donc, en même temps, tu as eu aussi l'expérience avec Damso, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui te connaissent pas. Donc quand t'arrives en première partie de Damso, où il y a un public qui est quand même assez furieux sur Damso en ce moment, tu vois. C'est pas un public simple. Non. Et moi, je t'ai vu à l'Olympia et je trouve que. Tu m'as vu à l'Olympia? Bah oui, je t'ai vu à l'Olympia. Je t'ai vu en première partie à l'Olympia. Ah ouais, non, mais je me dis, tu vois, c'est quand même pas simple. Petite nana qui arrive sur scène. Moi, personnellement. T'as les mecs qui attendent Damso et tout, etc. Bien. Où tout le monde est bien énervé. C'était vraiment pas simple, mais c'était tellement. Franchement, c'était tellement cool et c'était tellement une énergie que j'avais pas connue avant, que je suis même pas sûre que je vais connaître ce même genre d'énergie. Enfin, je me rendais pas compte de ce qui se passait, donc je l'ai jamais mal vécu. Mais à la fin de la tournée, je me souviens, Damso est venu, il m'a dit « En vrai, t'as les couilles. Hein. » Là, j'étais trop contente, je me suis dit « Yes. » Mais, ouais, mais c'est clair. Ouais, mais oui, je trouve. Je crois que Damso, en première partie, il dit juste qu'il y a Angèle maintenant. Enfin, il disait un petit mot à l'Olympia, je crois. Il disait il y a Angèle en première partie, je sais pas. Il disait, en fait, ce qui a été cool, c'est que lui, il a joué le jeu à mort avec ses réseaux sociaux. Et franchement, ça a aidé. Je pense que la première date, par exemple, c'était écrit nulle part, personne ne savait.
Et je crois que là, j'ai senti que j'ai dû vraiment expliquer aux gens parce qu'ils se disaient, mais qui c'est cette meuf-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Non, c'est trompé de concert. Merde. Mais ouais, mais après, une fois que tu leur expliques, une fois qu'en fait, tu montres aux gens que t'es là pour t'amuser, pour les amuser, qu'en fait, il n'y a pas de. Enfin, je joue pas un rôle, je fais pas semblant que je suis une rappeuse, j'assume mon truc, donc en fait, les gens. Ouais, et puis ça joue sur scène, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent aussi. Donc allez voir Angèle le 22 mai au Trianon, toi on parlera de tes dates aussi, on parlera de Crazy dans un instant. Ne bougez pas sur Skyrock, on va revenir. Tiens, on mettra le morceau avec Angèle, le morceau qui s'appelle J'ai vu. Ça roule. Ça, c'était le morceau qui était sorti sur Moral 2. Sur Moral 2, il y a un an, à peu près au mois de mars dernier. On va l'écouter dans juste après la pub sur Skyrock. On vous attend en freestyle par téléphone aussi, n'hésitez pas. Coup de fil, tiens, il y a le portable de Planète Rap aussi, à n'importe quel moment il peut sonner. Pour toi, ouais, tu décroches quand tu veux. Ça roule. C'est 06 48 96 3 fois. J'en profite juste pour faire une parenthèse. Vas-y, vas-y. Je dois faire une dédicace à la BAC qui m'a arrêté aujourd'hui et qui m'a laissé filer en me demandant en échange, pas en échange, mais qui me dit tu feras une dédicace pour nous aujourd'hui. Donc, une grosse dédicace. C'est laquelle BAC, tu sais ou pas? C'est la BAC du 11e ou du 3e arrondissement, des mecs qui font bien leur taf, il faut le dire. Je les ai pas vus venir et voilà. Et bon. Ils ont été cool, vraiment. Merci à eux. Et bon, salut cette BAC là en tout cas. Merci, merci à vous les gars de nous avoir libérés en tout cas, enfin nous avoir pas embarqué Roméo surtout parce qu'on aurait été dans la merde cette semaine. Exactement. Au moins ce soir. Ne bougez pas, dans un instant on revient. La sortie de Moral de Luc, c'est vendredi, on précommande dès maintenant, en streaming dès vendredi. Et dans les BAC, bel objet aussi. Et puis en plus il y a du son, c'est le plus important. Et ça sort vendredi. Un iPhone 10 pour toi, et c'est la PS4 pour toi. Xbox One X, iPhone 10 pour toi. Dans moins de 4 jours, l'un ou l'une d'entre vous va gagner les 20 000 euros du Super 7 2020. Ouais. 20 000 euros cash, plus une console et un iPhone 10 par jour. Ah putain, c'est génial. Vite, envoie Super au 7-20-20 et rendez-vous vendredi de 6h à 9h dans le Morning de Difool sur Skyrock. The Morning Show. Putain, c'est trop bien. Plus que 4 jours. La Fnac aime. Xe, le nouvel album de Vald, inclut le single Désaccordé. Vald, nouvel album Xe, disponible partout. En écoute en magasin et sur Fnac.com. Marvel Studios présente Black Panther. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Découvrez le Wakanda. Je suis le seul à en être ressorti vivant. Sa légende. La Panthère Noire est la figure protectrice du Wakanda. Et ses ennemis. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit ensemble. Black Panther, par le studio qui a créé Avengers, le 14 février au cinéma. Et en avant-première dans toute la France le 13 février. Avec Skyrock. Concert. Il a choisi Skyrock pour sa prochaine tournée dans toute la France. Ouais, c'est Niska, seulement sur Skyrock. Niska, en concert Skyrock à Rennes, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille et au Zénith de Paris le 24 avril. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Niska, premier sur Skyrock. À suivre sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Niska en concert dans toute la France. Ouloulou. Encore une tournée Skyrock. 20h-21h tous les soirs. C'est Planet Rap sur Skyrock. Pas trop frio. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. T'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. Tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle donc tu t'amuses plus. Même tes potos te reconnaissent plus. Avec le barman qui t'encaisse plus. À croire sur terre il n'en reste que les. T'allais tout donner. Mais fallait pas la laisser te piquer. Plus, même
tes potos te reconnaissent plus. Y'a que Barman qui t'encaisse plus. À croire sur tes rimes, n'en reste qu'à aller. T'allais tout donner, mais fallait pas la laisser te piquer, gros. Toi ici, laisse-les passer leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon. T'as mis tes plus beaux talents, tes talents. Mais ça suffit plus. Maintenant ce qu'ils te souhaitent, c'est que du malheur. Gros, t'allais tout donner. Mais fallait pas la laisser te piquer. C'est Planète Rap sur Skyrock. Ce soir, c'est Planète Rap Roméo Elvis. Dans un canapé roule hashish, télé full HD, tout le monde est assis. Je regarde la télé, je me rends compte que la vie s'affile. Un jour j'aurai des gosses, faudra protéger ma fille. Ma sœur a mis sa voix sur la prod, ça me calme. Papa écoute le son avec le sourire, maman écoute le son avec le casque et le mal s'évapore. Ce qu'on voulait pourtant cacher. Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout gâché. J'aimerais que tu saises à mes propositions. Éloignons-nous d'ici, prends ça comme une mission. Devenons invisibles, je lui ai dit à tout à l'heure. Il a pris ça comme un missile. J'écris des chansons sur des histoires inexistantes. Certaines arrivent à se reconnaître quand je parle cœur. J'ai un peu morflé, ma vie sentimentale est mortière quand j'ai décidé de la poser sur Moral 2. La vie est douce, la pente est raide et parfois glissante. Certains arrivent à s'élever comme de la vapeur. J'ai un peu morflé, mais pas de quoi en faire un film. J'suis dégoûté, mais très loin d'être anéanti. J'ai vu dans ma tête qu'on allait se fâcher, qu'on allait se lâcher, tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout gâché. J'aimerais que tu mes propositions, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure. Elle a
pris ça comme un missile. Skyrock, c'est le Planète Rap avec Romeo Elvis, le projet qui sortira vendredi avec un morceau. Alors là, si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'être apaisé. Avec j'ai vu là. Ouais, ah ouais, c'est sûr, si vous êtes en dépression, c'est le truc, c'est le truc qui tend la corde. Aussi. Le morceau j'ai vu avec Onjet, justement, qu'elle a aussi avec nous. Ouais. Ce soir entre 20h et 21h sur Skyrock dans Planète Rap. Entre, et tous les soirs de la semaine, Romeo Elvis qui sera présent. Crazy, je sais pas, tu passes dans. Crazy, pardon. Fuentes. Tu passes tous les soirs de la semaine ou... Non, que ce soir. Ah, que ce soir. Que ce c'est soir. C'est un homme bizarre. Ah, bah alors il faut attaquer les dossiers vite. On y va. Qu'est-ce qu'on doit savoir absolument qu'on ne sait pas encore sur Romeo Elvis? Franchement, le plus beau, on l'a dit. Hein, non, c'est l'histoire. C'était la plus belle anecdote. Sur scène et qui bougeait. C'était pas, pied de micro, quoi. Quand c'était... tu vois maintenant, là, sur scène. Ah, c'est autre chose, non, sur scène. Ah ouais, tu t'éclates, là. J'adore prendre du plaisir sur scène. Bon, par là, il y a des tournées. Il y a encore plein de dates aussi pour toi. Ouais, à fond, une grosse tournée qui revient. Grosse tournée qui revient, ouais. On en parlera dans la semaine de cette tournée. Donc, ouais, pied de micro, c'est l'anecdote. C'est ça. Angèle, qu'est-ce qu'on doit savoir cette semaine? Non, mais moi, si je commence. Non, mais je un truc, c'est un Planète Rap, une semaine de dossier. Hein. Je ne dirai rien. Ouais, j'essaie, non, mais un petit dossier. Petit dossier. Wow, je sais pas, mais quand vous étiez petit, le truc, il était chiant, non. Il était pas chiant, il était. Ah non, mais là, il était protecteur. Je peux rien dire parce qu'en fait, si moi je balance des dossiers, il va balancer mais sur moi. C'est le but. Non, mais j'ai un dossier dans mon ordinateur que je ne divulguerai jamais, mais je peux juste en parler, c'est Romeo qui chante. Ah ouais. En gros, elle a tous les dossiers numériques de mes débuts dans la musique quand j'essayais et je faisais la guitare et tout. Ouais. En fait, je pense que c'est horrible aussi. J'ai quelques raps de Roméo quand il rentrait de soirée parce que il avait pété son ordi ou je sais plus quoi. Ah ouais, ça c'est vrai aussi. Là, je les garde bien au calme. Ah ça, tu les as encore. Ouais, avec Photobooth, tu vois, la petite caméra de l'ordi. La petite caméra, ouais. Bah, pour retenir mes textes, avant, je les écrivais, puis je les enregistrais vite. Après avec les ça. Soirées, donc c'était bien en plus. Et je revenais sûrement de soirée. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il rappait parce que j'étais absolument pas au courant. Et j'ai découvert ça sur mon ordi. Et c'était un peu tabou à la maison. Hein parler par hein qu'est-ce qu'il fait pourquoi il fait ça hein pourquoi il parle à du rythme mais il parle vite. Et pourquoi après les soirées, il enregistre tout le temps, après il prend mon ordi quand il rentre de soirée quoi. Bah, mais après, ouais, non. N'hésite pas, une petite clé USB dans la semaine. Non, non. Une petite clé USB qui peut se perdre. T'sais, parfois, il y a des trucs qui se perdent, un ordinateur qui se perd, un truc, un machin. C'est la fraternité, c'est les gens. Ah, c'est beau, c'est beau. Bon, toi, t'as rien à ajouter. Rien à ajouter sur ta frangine. Non, mais t'étais quel rôle plutôt protecteur? T'étais plutôt pro ou vite à vie? Franchement, en gros. Rien à foutre, vite à vie. Quand on était petit, on vivait. J'ai compris. Mais c'est un peu ça. Quand on était petit, on vivait un peu notre vie tous les deux de notre côté et tout. On s'entendait bien sur un truc, c'est qu'on se marrait sur l'humour, quoi, la blague, les trucs. On jouait avec des personnages et tout. Et après, moi, si je peux te dire un truc, en protection, je sais pas, mais en conseil, ce que je suis vraiment content qu'elle a suivi, en tout cas, comme conseil que moi je vais donner, c'est de garder l'humour comme phare, comme moteur, comme truc de moteur. Ah bah, là, on voit en même temps, si, bah, pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore découvert Angèle, allez voir les clips déjà. Si vous avez regardé les clips, les vidéos Instagram et tout. Et ça, je pense, c'est un truc qu'elle fait très bien et je suis content parce que moi je l'ai beaucoup relancé là-dessus. Mais toi aussi en même temps, regarde qu'on voit les clips. Je pense à Sabena, c'est la première équipe vient en tête, mais il y en a d'autres aussi. Mais... À fond, il faut prendre du plaisir. C'est les gens les plus. Les mecs, les artistes, c'est toujours des gens qui ont envie de rigoler. Enfin, non, je n'en sais rien en fait, c'est pas vrai. Il y en a qui sont super tristes. Mais je sais pas. Mais vous avez envie de rigoler. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un signe de pas trop grosse prise de tête ni prise de sérieux. Enfin, il faut faire les choses sérieusement, mais pas trop se prendre au sérieux. Eh bien, ne nous prenons pas au sérieux. Attaquons live si vous voulez bien maintenant. On y va tout de suite. Tout le monde est prêt. Je te remercie. Merci d'avoir tendu la perche. On y va, on attaque. Mais ouais, super. Romeo Elvis, Crazy va peut-être lâcher quelque chose si on le retrouve. Non. Ah, on aura peut-être un petit truc à sortir. Peut-être un petit truc. Angèle aussi, on va entendre ta voix. On va entendre ma petite voix. Ta petite voix dans le live maintenant. Ah ouais, ça fait plaisir. On a Junior Goodfellas, notre ami de BXL, qui va venir mixer pendant la semaine. Eh ben, on le salue, c'est parti. C'est maintenant sur Skyrock en live. Romeo Elvis and guest. Ok.
Donc on va commencer par un petit cadeau, c'est là, elle s'appelle La Nuit. Elle a été écrite en 2015, quand j'étais encore caissier. Et le refrain, on l'a écrit en 2018, après avoir percé. C'est donc deux points de vue différents. Et, un, et, la nuit est faite pour dormir. J'ai compris le principe, mais j'ai des choses à faire. Et je reçois un message de Jordi. Il est déjà 6h28, on m'appelle à la caisse. Ma vie a toujours été une sorte de course. J'en connais un rayon, je travaille au supermarché. Si t'aimes pas trop te mouiller, viens pas dans la grotte de l'ours. T'as beau avoir 3 millions, tu pourras jamais m'acheter. C'est vrai, je vaux le double, les grandes scènes, le carrefour. Espèce de chameau, j'ai deux beaux sur le dos, ils s'appellent Jean-Pierre et Max Tour. Je fais un taf impeccable, inspecter les canettes, scanner les articles. Pour gagner du temps, j'y vais avec ma bécane. Faut que j'arrête la garette si je veux gagner des cartes. Ouais, faut que je m'active, regagner ma galaxie, m'éloigner des caves, des parasites, déclencher un truc chez les gens qui m'écoutent. Des fois j'ai espoir, je me dis que ça sera facile. Je me dis que ça sera facile. 2015, Carrefour, Square Marlowe. Et ça fait le couplet en 2015, le refrain en 2018. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le couplet en 2015, le refrain en 2018. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jeune joueur, j'ai l'œil vif et les phalanges clean. La cam, je la porte. On n'est pas le 14, mais je veux une Valentine, une femme que j'adore. Une femme que j'adore. Pour pouvoir user de ma galanterie, je veux pas une salope. Je veux juste une fille qui va tout faire pour m'attendrir. Si tu presses le pas, je vais la jouer boucher canadien. Je vais couper l'élan, garçon, ne me teste pas. J'ai tous les mélangés, quand je pédave, je reste calme et fais ce produit à la bien. Élémentaire comme Springfield School, lis discours et dis-moi s'il fera l'affaire aux Oscars. J'ai le feeling pour ce genre de job. Aussi vrai que Livourne est en Toscane. Je vais faire les choses propres, faire les choses bien. Je vais donner au mien et rester au top. T'sais, l'été prochain, je ferai peut-être autre chose avec une pute Botox qui fera bouger ses gros seins. Mais pour l'instant, je progresse. L'œil écoute, l'oreille siffle, mon travail est trop vrai. Je suis un jeune investi, classé dans le prestige et classé comme une Rolex. Et ça fait les couplets en 2015, le refrain en 2018. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai percé le couplet en 2015, le refrain en 2018. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que d'or? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Junior, fais tourner ça. Je vais inviter ma petite sœur. On va partir sur un hommage des plus rocambolesques. Ok. Clin d'œil à notre ami Claude qui nous a invités à venir ici il y a pas longtemps. Et ça fait victime de la mode. Tel est son nom de code. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Et clap, clap, hein. Vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seul devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement. Encore quelques efforts. Et les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont des échecs complets. Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo, à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode. Tel est son nom de code. Tel est son nom de code. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font 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 les petites filles coquettes. Okay. Elles perdent le réseau pour leur faire perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charlington ou Carcassonne. Et quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse. Elle était occupée à couper du PQ quand le PQ les fesses. Une victime de la mode. Tel est son nom de code. Tel est son nom de code.
conclusion à l'analyse logique de cette situation. Le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris la base très claire de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tactique attaque, tout éthique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat. La quête de l'image, laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ quand le pic et les fesses une vie. Jim de la mode, tel est son nom de code. Ok, qu'est-ce qu'on a à Goody Strausen? Ah, de la Fuentes. Parle-nous de ce qui va passer là. Notre premier morceau ensemble. Exactement. Un morceau qui a aussi 2 ans déjà à mon avis. 3 ans. 3 ans. Le 8 septembre 2015. C'est parti. Allons-y. De la Fuentes. Elle est belle, elle est fraîche, elle est parfaite. Well, boy, je t'avais dit que j'avais trouvé la perle, elle me plaît. J'aurais voulu l'acheter, mais ce genre de kiff, ça se passe dans les rêves, les dames. Roméo est frappé, de la Fuentes, c'est ivre, et me laisse faire ce business. J'ai les cubes, mec, et les livres. Les dollars, les sterling, meding, system. Je ne fan que si tu me lâches. J'ai envie de faire taire tous ces envieux. Le grand de se fâche, il perd trop de clients. Il voudrait qu'on se voie et qu'on coupe la terre en deux, j'ai pas le time. Elle est belle, elle est fraîche, elle est parfaite et simple. J'admets que c'est sympa de la fêter. Suffit de la brancher sur une enceinte et le temps s'arrête, je ne pense plus, je me transcende, bébé. Je veux te faire tout ce que je peux. Quitte à passer des mille ans le doute à faire tout le jeu. Avec une autre poule ou avec une autre prod, ça dépend comment t'es foutre. Je rappe ma vie ou des histoires. Toi tu crois ce que t'as envie de croire. Marion le whisky au Pepsi. Allions nos puissances, même si on te galère, on s'excite. On arrive, on est sexy. De la Fuentes fait ce job honnêtement. Tu reconnais le chocolat, il faut l'accepter. Nouveau vêtement, brand new jacket. Et la fierté n'est qu'une veste que je mets devant. Les femmes, les producteurs, les banquiers. Tu sais qu'avec eux je parle franglais. Le maman fucker Don John est un visionnaire qui opère au pistolet seulement si on lui ordonne. Pif paf pouf ding dong, le mec atterrit dans mon délire et c'est du texte à vérité. C'est que bébé, je peux te faire tout ce que je veux. Jamais tu vas souffrir, je perds que pour soigner. Je ne peux pas pourrir, je suis comme un mauvais souvenir que t'arrives pas à noyer. Elvis Romeo de la Fuentes 2015, ça dit quoi? Elle est belle, elle est fraîche, elle est parfaite. Elle est belle, elle est fraîche, elle est parfaite. Elle est belle, elle est fraîche, elle est parfaite. Elle est belle, elle est fraîche, elle est parfaite. Elle est fraîche, elle est parfaite. Elle est belle, elle est fraîche, elle est parfaite. Non, elle est belle, elle est belle, elle est parfaite. Si tu parles d'une prod, ou si tu parles d'une femme, on sait pas. Si tu parles d'une prod, ou si tu parles d'une femme, on sait pas. Si tu parles d'une prod, ou si tu parles d'une femme, on sait pas. Si tu parles d'une prod, Ça fait du bien de le sortir ce truc-là en fin du studio là. À fond, 3 ans après, génial. Super. C'est beau, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Junior Goodfellas? Ok, ok, ben on va faire ça alors. Tu connais? Et si tu connais pas, ça s'appelle Agora. Jamais acéré dans les boîtes, toujours avec les hauts déçus. Nous enterrer, c'est sans espoir. Empiéter les grands espaces, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Morale de luxe, le 16 février. Jamais acéré dans les boîtes, toujours avec les hauts déçus. Ouais. Nous enterrer, c'est sans espoir. Ouais. Empiéter les grands espaces, c'est pour ça qu'on est là. Vous êtes prêts? Au départ, je voulais juste faire un feat avec l'ODC. Ils m'ont dit, mec, fais un G-Pro. J'ai dit, ok, tu connais la suite du procédé. Bruxelles est devenue jungle, monopole, j'ai possédé. Avec l'équipe, on a décidé de baiser le bail. Sphère des partenaires, fais gaffe, on est vif. Élever les barrières, mettre des claques à tous ceux qui pensaient qu'on était des traîtres ou des sales quêtes. Dis-moi qui est le meilleur sans me citer, c'est difficile. Non, pour moi, c'est Elvis. Tu te décides vite, Johnny Kiki est tout à fait d'accord. Passe dans le 16-30 si tu veux me faire la peau. En attendant, j'avale un freestyle. Je passe dans la cabine avec 1000 styles différents. J'ai terminé le freestyle, tourne me. Tu connais tout le titre, t'as écouté les 10 tricks de la séance avec les débuts, ça fait ouh.
Ça fait longtemps, c'est un peu rouillé tout ça. C'est Agora dans la plaza. Ça fait 1, 2, 3, 4. Jamais asserré dans les boîtes, toujours avec les Odyssées. Nous enterrer, c'est sans espoir. Empiéter les grands espaces, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et jamais asserré dans les boîtes, toujours avec les Odyssées. Nous enterrer, c'est sans espoir. Empiéter les grands espaces, c'est pour ça qu'on est là. Morale de luxe, vendredi 16 février. Fils de pute, oh, Mariole. Je t'ai reconnu sous tes airs, t'es qu'un escroc. Tu t'inventes un personnage, mais on n'y croirait plus si tu disais it's me, Mario. Petite moustache et paire de gants. Est-ce que tu veux le trou de balle plus large que l'Asie? Pas de nazi dans l'équipe des Yamakasi. Pas de trip de kamikaze. Bruxelles c'est l'amour et le chagrin combiné. On achètera une carte pour les gars de Combini. Paris c'est dans la poche, on se fait des potes. On descend à Cannes pour regarder les bikinis en douce. J'ai levé le pouce quand j'ai vu son profil parfait. Après c'est pas le seul truc qui s'est levé. Remonté dans le hood, j'ai dit j'ai le yikout. Pour attaquer les salés puis ramasser les foutus lovés. Les foutus lovés. J'espère que vous êtes tous prêts à vous prendre Morale de luxe dans la face parce que ça va faire mal. Vendredi. Ça fait jamais assuré dans les bois, toujours avec les Odyssées. Nous enterrer, c'est sans espoir. Empiéter les grands espaces, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Jamais asserré dans les bois, toujours avec les Odyssées. Nous enterrer, c'est sans espoir. Empiéter les grands espaces, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Yeah. Parce que j'avais un Zippo et un High Touch. Et j'avais pas encore vraiment connu de touch. Mais j'avais du vraiment mauvais touch entre les couilles. J'suis toujours ce puceau cramé. Et c'est encore plus chaud de l'admettre. Maintenant que j'suis adulte, il faut le cacher. Mais alors je suis plus trop moi-même. Faut pas commencer le chocolat. Et si tu le fais, faut toujours être à deux. Mon ami, j'espère que t'es fort en maths. Pourquoi tu vas pas pouvoir compter sur la peu, sur la peu, sur la peu. Et je me rappelle quand j'avais 19, c'était cool, mais j'étais con et j'étais caissier. Putain, fallait gérer les cours et les comptes. Je prenais de la drogue beaucoup dans des soirées bizarres. Et mon seul repère pour savoir l'heure qu'il était, c'était l'état de mon visage. Et putain, j'ai fumé du temps à vouloir être def. J'avais mieux à faire que fumer des joints quand j'avais 16, mais je le faisais. Fallait toujours qu'on ait l'air clean alors qu'on était flex. Fallait toujours avoir l'air chill alors qu'on était défoncé. Faut pas trop le chocolat. Et si tu le fais, faut toujours être à deux. Mon ami, j'espère que t'es fort en maths. Tu vas pas pouvoir compter sur la peu. Qu'est-ce que ça dit ça? Hey.
Ok, j'ai trouvé quelque chose ici là. Ok, ça dit 194. Ça dit 194 cm de talent. Posé sur le Strauss et sur mes talons. Une aisance comparable à celle des attaquants italiens. Je suis en place depuis l'époque où on mettait la loi du talion. Et j'avance en force comme Yacine. Choco classique et dans les bacs y'a mon CD en plastique. J'aime pas trop la stip, j'aime plus trop que ça. Je rentre pas trop tard sinon je loupe ma série télé à skip. Les jeunes prennent plus de drogue, j'ai arrêté y'a 3 ans. J'aimais la cocaïne, j'en ai même vendu à des parents. Portable et la mine gratos dans des soirées que j'aimais même pas. C'était juste une erreur d'ado, ça c'est une lueur d'espoir. Depuis j'dans la bibi bizarre pour un poste de go. Je voulais me donner une image autre que celle de l'enfant bibo. J'aurais pas de mal à quitter, j'étais pas vraiment en manque. Mais sacrément chien, la nuit qu'on faisait, on ne la faisait pas en banque. Oh. 3h du matin, le corps dans le noir, la tête dans la lumière, l'écran allumé. L'hiver à Bruxelles, paradoxal, y'a moins de concerts pendant les fêtes, y'a pas trop de ça. J'm'en fous, j'sors plus, c'est dead. Je connais trop ma tête, mes fans savent où j'habite. Y'a des meufs insensées qui voudraient tout salir. Elles veulent mes sous ma bite et me faire croire que ça va durer toute ma vie. Et j'pourrais faire des réseaux plus privés. J'sais pas, peut-être que plus tard ça va m'attirer. J'ai les moyens d'aller en boîte et d'acheter des bouteilles au prix de mon ancien salaire. Mais ça m'a jamais trop attiré. Et puis j'ai moins souvent la migraine. Et je regrette plus jamais ce que j'ai pu sniffer. Adieu l'alcool en 2017. Ça me servait juste à croire qu'en soirée j'arriverai à kiffer. Ouais, 2016-30, on est 2016-30. 2016-30, on est 2016-30. 2016-30, on est 2016-30. 2016-30, on est 2016. Passe-moi le pack du chocolat. Hey. Ce soir je marche seul. Passe-moi le pack du chocolat. Hey. 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 Ça fait passe dans le 16-30 quand les gens dorment. C'est la même heure pour les gendarmes. Passe dans le 16-30 quand les gendarmes. C'est la même heure pour les gendarmes. Hey. Et ça fait passe-moi le pack du chocolat. Yeah. Laisse faire le motel, il est dans le sky grâce au propoun. On est presque trop dev pour écouter le master de l'œil. Écoute, laboratoire, j'ai besoin de papier, je ramène la gousse. Mais toi, apporte à boire. Mes copains sont déjà prêts à se foutre la bouteille. Ça passe dans le 16-30 quand les gens dorment. C'est la même heure pour les gendarmes. Passe dans le 16-30, j'en dors. C'est la même heure pour les gendarmes. Hey. C'était la session live à l'instant dans Planète Rap. Okay. Ça nous est régalé hein, déjà. Moi j'ai charbonné là, il y avait personne. Ouais. J'ai dû tout faire. Ah, t'as tout fait tout seul, ouais. J'ai grillé des exclus et tout. Bah, le petit victime de la mode, magnifique. Super, c'était cool à faire. Hein. Vraiment. Grave. C'était bien. Ce petit clin d'œil justement à Tonton qui a récupéré une victoire. Vous avez vu Tonton encore? Ouais, vrai, j'ai vu ça. 10 ans beau, après, hein. Il revient. Ouais. La bisquette. Samedi, il récupère la victoire. Bravo. En tout cas, bravo. Ça faisait plaisir. Et puis le morceau aussi que vous avez fait avec Crazy. Ça faisait plaisir aussi. Purée. Ouais. Je suis content d'avoir pu. C'est quoi ce morceau? La petite histoire de ce morceau? C'est, en gros, c'est un morceau que je suis venu faire chez. En gros, je suis venu 20 fois chez Crazy. Dans l'idée éventuellement de faire un truc. Et j'en ai fait une fois parce qu'on s'entend bien. On parle tout le temps ensemble. On passe des heures. On passe vraiment plusieurs heures à parler. Et ce morceau-là, on l'a fait une fois. J'ai réenregistré un truc, il a refait un. Enfin bref, c'est l'histoire de notre. C'est le prétexte en fait. Ouais. Pour à chaque fois se voir quoi. Et discuter. En gros, c'est voilà, ça. Exact. Bon, merci en tout cas pour cette première soirée. Angèle, on te revoit dans la semaine ou. Ouais, je sais pas, peut-être. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, le 22 mai, si vous voulez voir Angèle aussi en concert, loupez passer au Trianon. Et puis on l'a dit, il y a Vieille Charrue, il y a Printemps de Bourges. Il y a plein de dates pour te retrouver un peu partout. Absolument. Et puis il y a un projet qui arrive aussi, je suppose. Il y a un projet qui arrive. Un album. Un album. 2018. Là, il y a un morceau aussi. Allez, Maté, il y a un nouveau clip qui est arrivé là, il y a quelques jours aussi. Allez, cliquez dessus. Merci à toi, Angèle, d'être passé. Merci beaucoup. Merci, Roméo. Mais merci, Angèle, d'être venu. Ça fait plaisir. Merci également à Crazy, alias. Merci de la Fuentes. De la Fuentes. Pas de problème, toujours pour Roméo. Et toi, ce soir, non, tu reviens pas d'ici la fin de semaine? Non. Moi, j'étais Fuentes. J'ai trop de travail en ce moment. Toi, qu'est-ce qui se passe aussi pour 2018? L'album, un premier album avec une bande dessinée, ça va être génial. Album bande dessinée? Yes. Donc tu pourras lire et écouter. Et écouter en même temps. Voilà. Savoir c'est un album. Ils teasent sur cet album depuis 4 ans maintenant. Ça va faire depuis 2014 que je parle de l'album. En même temps, ça a l'air d'être un projet assez massif à faire. Franchement, ça m'a pris du temps parce qu'il fallait que ce soit cohérent, mais je suis totalement content. Et ça sort sous le nom de Crazy, par contre. Crazy. Avec de la Fuentes aussi. Avec de la Fuentes aussi, évidemment. Il va l'aider, ouais. De la Fuentes va passer des prods à Crazy. Voilà, c'est exactement ça. Ça va, sinon? Tout va bien. Le soir? Tout va bien. Je dors très bien. J'ai deux femmes. Tout va bien. Non, je demande le peuple. Merci.
à toi en tout cas d'être passé. Merci. Et on attend donc 2018 ce projet. Yes. T'as le nom du projet déjà ou... Euphoria, du cauchemar à la solitude. Du cauchemar à la solitude. À suivre. À suivre. Et toi, par contre, parce que je sais que parfois, on en a pas parlé, mais t'en as beaucoup parlé dans les interviews, de ces histoires d'acouphènes font que t'as des petits trous de mémoire, des petits trucs comme ça. C'est ça, ouais. Donc, oublie pas, tous les soirs, 20h-21h. C'est ça. Ah, ouais. Tu pourras te le rappeler, il y a des gens qui vont te le rappeler. Ouais, bien sûr. Allô, vite, l'attaché de presse. Annule tout. Merci à toi, en tout cas. Romeo Elvis, tous les soirs de la semaine. Loupe est passé vendredi la sortie de Morale de Luxe. Yeah. Avec Romeo Elvis X, le motel aussi, le motel qu'on salue, évidemment. Romeo Elvis, et reviendra tous les soirs de la semaine. Normalement, on le retrouvera entre 20h et 21h demain. Merci à vous tous, D-Fool est là et toute l'équipe de la Radio Libre. Et oui. Ça va, Fredo? En forme? Salut, Roméo. Salut, yo, tout le monde. Yes. Mais donc, oublie pas demain 20h, hein, parce qu'on sera là. Hein. Ouais, ouais. Ça dépend juste de la BAC. Hein. Qu'ils ont un... Ah oui, il s'est fait choper par la BAC, mais ils ont été sympas. Oui, ils ont été cool. On sait accueillir les Belges en France. Ouais, bah ouais, c'est sympa. Non, mais on sait bah accueillir. Ouais. Vraiment, t'as vu, on t'a fait un comité d'accueil, ah ouais, pas mal du tout. Pour toi. Tu viens pour Planète Rap, hop là, la BAC débarque. Ouais, une escorte. Et tu sais qu'il y a des foules, il y a un sacré belge dans l'équipe aussi. Oui, il est pas là encore. Ah, hein, il est pas là encore. Ouais. C'est dire le niveau. Ouais. Je pense qu'il s'est pas arrêté par la BAC lui aussi. Ouais, bah, c'est possible. On te le présentera dans la semaine. Pas de problème. Ouais. Merci. Magnifique Roméo. Spécimen venu de Belgique. On peut le dire, oui. Ah, différent oui. De toi, hein. Toi t'es oui, plus élancé, hein, plus grand, plus élancé. Mais il est plus concentré. Il est tassé ou quoi? Il est plus, voilà, plus tassé, ouais. On te le présentera. Merci Roméo Elvis, toute la semaine, 20h-21h sur Skyrock dans Planète Rap. Et là, c'est parti, Radio Libre jusqu'à minuit. On est parti ensemble au 01 53 40 30 20 vous appeler et on arrive tout de suite. Vous voulez passer dans l'émission, vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous, eh bien profitez-en, la plus grande radio libre de France et ouvre on... ses... Et on parlera du look de Karim ou c'est déjà fait? Ah ouais, ouais. Dans un instant, bien ah sûr. Bah oui, attends, c'est déjà... Moi j'avais envie de teaser. Fred, il m'a dit qu'il voulait faire la même. J'avais envie de teaser là-dessus. Tu peux teaser. Fred, tu as l'habitude de teaser d'ailleurs. Mais alors... tu peux faire un petit tease oui, là-dessus. Ça c'est vrai que c'est moi teaser, une expression radio pour dire je voudrais parler de ça dans un instant. Et bien dans un instant, vous saurez tout du look magnifique de Karim. Des photos. Parce que... Quoi, magnifique, bon. Ouais, enfin, bah, magnifique. Ouais, t'en mal un peu. Mais Fred, il va faire la même, il m'a dit. Bon, bien sûr. Voyez, William. Eh ben, c'est le même. Ouais. Il m'a dit que c'était une première étape avant une autre couleur. Ouais, ouais, il va faire un truc dégueulasse. Eh ouais. On fait des tests dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Des problèmes capillaires. Bah, tiens, Romano, ça va? Ouais, ouais, ça va. Des problèmes de couleur de cheveux, de barbouze, de tout ce que vous voulez. On en parle, si vous voulez, dans la soirée. Merci, Fredo. De rien, de rien. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Enfin, tout à l'heure, à demain. Demain matin. Tout à l'heure. Juste après le morning. Ciao. Ciao. Et Radio Libre, c'est parti. 01 53 40 30 20, appelez vite pour être les premiers, faites tout ce que vous voulez tout au long de la soirée, c'est parti, tout de suite, on y va. Écoute, c'était ce matin.